Hey yo tout le monde, c'est Panda Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sur DS. Donc dans le dernier épisode on avait fait une espèce de petit tuto, Todd nous avait rejoint, on a découvert un peu le scénario, que Bowser et Dr. Eggman avaient enlevé les esprits de neige, tout ça. Et bah du coup voilà, on avait battu en plus Bowser Jr. Donc on a accès à la place de la ville. Donc c'est parti, nous allons y aller et pour cet épisode je vais prendre Sonic. Donc c'est parti. Alors, super, on est arrivé sur la place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cet endroit est immense. Ça, je te le fais pas dire. Ce n'est pas Omo Chao là-bas? On m'a dit que Omo Chao était très savant. Il peut peut-être nous fournir des informations utiles. C'est sûrement une bonne idée de consulter Omo Chao en cas de doute. Ouais, mais moi, je vais pas le consulter. Bon. Voyons voir ça. Alors, une mission pour les cristaux. Avec laquelle on peut avoir des cristaux. Attends, je te reconnais. Tu es Sonic, c'est ça? Oui, bien sûr. J'ai entendu dire que vous aviez bien bourlingué. Ça vous tente la mission de combiné nordique? Ok, c'est parti. Mais alors, vous n'avez pas de ski de la comète? Ah oui, c'est vrai. Il faut récupérer des objets dans ce jeu. Comme les patas qu'on a récupérés dans le premier épisode. Vous ne pouvez pas tenter cette mission sans ski de la comète. Vous attendez quoi? Allez donc en trouver quelque part. Je vous attends. Bah très bien, donc on peut pas faire de mission là. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Salut les gars, vous amusez bien? Certaines missions sont assez difficiles, elles ne vous ont pas posé de problème. Si jamais vous rencontrez des difficultés avec une mission, venez me voir. Si vous faites de votre mieux avant de venir me voir, je vous aiderai peut-être. Ok, donc lui il peut nous aider si on n'arrive vraiment pas à une mission. Toi, qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi ta mission? Ok, donc ça c'est du saut à ski. Ouais, des skis, blablabla, donc de dénicher des skis de la comète, ok. Y a pas une mission dans le coin, sérieusement? Une mission de patinage, vu qu'on avait récupéré les patins. Par contre, ça va être énervant à chaque fois si on doit tout le temps aller chercher des objets, là, genre des patins, des skis. Cette mission, on va voir ce que c'est. Vous pouvez aussi tenter la mission de patinage de vitesse, si. Ok, enfin. Ciao, ciao. Oui, j'espère que vous relèverez le défi. Sprint final. Ok, donc faut juste faire un sprint final. Mais ça va être facile. Alors, perso aléatoire... Sonic. Bon, ça va être vite fait, je pense. C'est parti. Ah, par contre, concernant le let's play, je pense que ça va être assez rapide. Enfin, quand je dis rapide, c'est pas rapide, rapide en quelques épisodes. Enfin, vu que je sais à peu près où se trouvent certains trucs. Enfin, j'ai oublié par exemple les espèces d'objets là. Ah! Mince! Je n'ai pas fait le sprint final! Sérieux? Ah mince! Ah bah voilà! Quand je parle en jouant, ça donne n'importe quoi. En plus, j'ai fait n'importe quoi. Je sais même pas ce que j'ai fait. Ah bah voilà, j'ai perdu. J'ai perdu dès le deuxième épisode du Let's Play. C'est bon. Ça va, c'est qu'une seule. On rejoue. Allez! J'espère ne pas en perdre cette fois. De toute façon, je pense que je vais en gagner. Je vais en regagner 3. Ok, donc cette fois, on se concentre un peu. Donc, comme je disais, les objets qu'il faut utiliser, qu'on doit avoir pour faire des missions. Donc, les équipements. Voilà, cette fois, on a réussi. Donc, les équipements, genre des skis, des patins et tout ça. Ça, par contre, je sais plus du tout où ça se trouve parce que les mondes sont... Enfin, pas si vastes que ça, mais un peu quand même. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Hein. C'est pas super, super. Je sais pas trop. Mais on verra tout ça quand ce sera fait. Quand on les aura. Donc ça nous fait un cristal. En tout cas, je sais où se trouvent des trucs, où il faut aller, tout ça. Donc normalement, ça devrait pouvoir se faire, ce let's play. Donc il va être... En tout cas, vu qu'il est long, ça va pas durer. Ça va durer assez longtemps. On devrait récupérer plus, on ne sait jamais. Ah, vous avez réussi la mission. Merci. Bon, on a juste gagné une vie. Je pensais qu'on allait en gagner 3 grâce à une étoile dorée, mais pas du tout. Bon, on va monter pour voir parce qu'il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du nouveau. Les masques portent tous des masques. Personne n'a vu leur vrai visage. C'est vrai que j'aimerais bien voir leur vrai visage, à quoi ça ressemble quand même. Il y
D'ailleurs, c'est vrai que du coup, à chaque épisode, je vais changer. Un épisode, je prends Mario, un épisode, je prends Sonic. Enfin bref. Du nouveau. Givreville s'appelle ainsi car il y fait toujours froid, bien pour les sports d'hiver. Tu l'as dit. Toi, ça s'appelle Givreville, tu m'étonnes. Allez. Ah oui, c'est vrai que du coup, les ressorts, on ne peut que les prendre avec Sonic. Alors, il y a un coffre, on va aller le voir. Donc, un cœur. Il me semble que dans les coffres, on peut soit avoir des 5 cœurs, soit 5 cœurs, soit un objet. À mon avis, là, ça va être les skis, sûrement. Voilà. Alors, du nouveau encore. Bowser Jr. porte un masque autour du cou. Celui-ci lui sert aussi de bavoir. Ok, s'ils veulent. Je sais pas. Il pense ne pas être reconnu avec son masque. Enfin, après, ça dépend, parce que dans Super Mario Sunshine, ça lui permet d'avoir. Ok, donc on a eu le ski de la comète. Vous pouvez attendre l'émission. Ouais. Donc, comme je disais, ça peut lui. C'est son masque, comme dans Mario Sunshine, ça lui permet de devenir une espèce de Mario bleu qui s'appelle Anti-Mario, il me semble. Alors, quoi d'autre? On a quoi là? Salut toi! Tu es Sonic, ravi de te rencontrer. Bienvenue à Givreville. J'imagine que vous êtes venu tenter la mission de ski de fond. Fini deuxième ou mieux, zone de récupération interdite. Qu'est-ce que ça va être ce truc? Ok, donc cette fois on joue avec Mario. Ah! Je pense savoir ce que c'est. Ok. Ça va être, c'est un sport comme ça où il va pas y avoir, parce qu'il y a des zones de récupération pour pouvoir avoir des boosts. Il va falloir se mettre derrière les autres pour en avoir des boosts, justement. Et moi, si je fais des super départs, c'est moi qui suis devant eux et ils vont me prendre de l'aspiration. Ça, c'est pas cool, du coup, vu qu'ils vont arriver premier. Ah, bah. Voilà. Bon, en tout cas, je dois finir au moins deuxième. Par contre, on m'explique comment Wario peut être aussi rapide que moi. Donc là, je ne. Wow, je ne fais rien. Écoute. Ah, mais dégagez! Me dérangez. Aïe! Bon, écoutez. Daisy est assez loin, j'allais dire. Ah oui, par contre, si je suis pas sur les lignes, ça va me ralentir. Et ça m'énerve. Allez! Oh, c'est un fiasco! C'est quoi cette mission? Alors là, cette mission, je suis pas sûre de la réussir. Enfin, du moins, pas du premier coup. D'habitude, j'y arrive du premier coup, hein. Mais là, ça devient un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Allez! Dégage! Je veux pas que tu me voles. Ouais, mais ça me ralentit. Allez, mitraille, mitraille, mitraille. Oh, on mitraille le bouton. Ah! Allez! Non, mais qu'est-ce que. Comment ça, Wario est plus rapide? Faut que je finisse au moins premier. Ah! Non! Non! Oh, c'est bon! Oui! J'ai réussi! Oh! Et on n'a rien gagné par contre. Oh, c'était chaud, je pensais pas réussir là. C'est bon, on est sorti de cette mission. Tu as reçu un cristal. Ça nous fait deux cristaux. Ouais. Là, Sonic, c'était vraiment impressionnant. Ouais, bah, du coup, on va se retrouver juste devant la mission de saut à ski qu'on devait faire. Ok, c'est bon. Waouh, vous pouvez tenter la mission de saut à ski ici. Ciao, vous avez des skis de la comète? Ouais, on les a. Si oui, alors pas de problème, allez-y. Qu'en pensez-vous, Mario Sonic? Pff, je le dis avec une voix normale. Qu'en pensez-vous, Mario Sonic? Vous voulez essayer la mission? Ok, fais une bonne réception. Glisse vers le bas juste avant ton atterrissage, j'ai obtenu au moins 25 000 points. Ça va être facile. Sonic, c'est parti. Je compte sur toi. Espérons qu'il est doué. De toute façon, ça dépendra juste de moi. Mais normalement, ça va être easy cette mission.
Mince, j'ai eu un super. Ah, je suis pas sûr de réussir. Ah, si. J'ai réussi. Ok. Troisième cristal. Ok, blablabla. Mission accomplie, merveilleux, ouais. Y'a rien là? Ah si. Du nouveau! Toad vit au royaume champignon. Ses amis sont de couleurs variées. C'est parti pour la prochaine mission. C'est pas trop tôt, vous en avez mis du temps. Ne manquez pas l'occasion d'essayer la mission combinée nordique. Pénalité. Appuie sur le bouton A pendant 15 secondes. Ok, donc faut spammer le bouton A. Facile. Encore Sonic? Eh ben. Quand je fais aléatoire, c'est toujours Sonic. D'accord. Leave it to me. Ok, bref. Allez, c'est parti pour la mission. Mitraille, mitraille, mitraille. Ah, putain. C'est pas facile. Jamais eu une étoile dorée sur celle-là. Ah, voilà, encore une fois, j'ai pas eu l'étoile dorée. Et on a 4 cristaux! On a réussi, on a 4 cristaux! On continue plus loin? Je crois avoir entendu quelque chose au loin du haut des marches de Chivreville. C'est peut-être un signal de mes amis. Je vais voir. On dirait qu'il reste un lieu à visiter en haut des marches de Chivreville. On devrait s'y rendre. Ok, donc ça va être le boss derrière le mur de glace, il me semble, parce que j'en avais vu un. Ben, ça va pas être pour l'instant. D'abord, on va faire les petites missions. C'est parti. Quelle autre mission il nous reste à faire, par exemple? Ah! Oh, c'est Luigi! Ah oui, c'est vrai. Eh, mais c'est Luigi. Il a l'air de bien s'amuser. Je me demande ce qu'il mijote. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il se prépare pour la course de ski de fond. Il se disait qu'il peut... J'arrive pas à lire. Il se disait que peut-être tu voudras bien l'affronter, Sonic. Ça pourrait être amusant. Vous devriez relever le défi. D'accord. Donc, faut battre Luigi. Dis donc, Luigi s'est bien entraîné. Cette course annonce intéressante. Je vais prendre Mario cette fois. C'est parti. Allez Mario. Tu vas réussir. J'ai la flemme de monter ces trucs comme ça, donc j'utilise des sprints. Ça les gaspille, oui, mais au moins je gagne en plus de l'avance. Ça, en plus, Mario peut se recharger un peu, voilà. Rester un peu sur les zones. Tranquille. Plus qu'il est bien, les sprints, ça économise notre endurance. Je suis deck parce que la barre, elle est presque pleine et j'ai raté le truc. Oh là là, j'ai failli entrer dedans. Ok. C'est parti! Ah mince! Allez! C'est qu'il y aurait une zone de récupération, mais pas du tout. Allez! Mince, j'ai raté le truc. Allez! Doucement Mario, fais gaffe à ton endurance. Ok! Au calme Mario. Oui! En plus on a battu le record olympique. J'ai battu le record olympique et 3 vies en plus! Ok, étoile dorée. Et parfait. Bravo, tu as réussi la mission Sonic. Ouais, bah, par contre, c'est pas toi qui as gagné, je sais pas pourquoi t'es content. Étrange, je me demande pourquoi Luigi est content malgré sa défaite. Parce que, je sais, il est content pour le vainqueur. Il est vraiment fair play. Oh, d'accord. Tiens, il a une idée. Ah, Luigi vient d'annoncer qu'il veut rejoindre notre groupe.
C'est vrai qu'on va avoir besoin d'aide pour sauver les esprits de neige. Bienvenue au sein de l'équipe, Luigi. Luigi a rejoint ton groupe. Eh ben voilà, on a recruté une nouvelle personne. Alors, regardons par là ce qu'il y a. D'accord, un téléphérique. Oh, il y a un coffre. Sûrement qu'il y a un truc. Ok, c'est juste par là. Mais ça va être rapide alors. Allez. Bon, ben du coup, Luigi nous a rejoint. Nous sommes à combien? 15 minutes 30 de vidéo à peu près. Je vais voir s'il reste des missions. Hein. S'il en reste, on va les faire. Alors, du coup, ces missions-là, on les a faites. Ah oui, ça, on le verra un peu plus tard. Dans pas longtemps, quoi. C'est Sonic. Qui, moi? Non, tout va bien. Quoi? Cet endroit? C'est la galerie. Mais vous ne pouvez pas y aller pour l'instant. Il y a toute une collection de souvenirs olympiques ici. Vous ne pouvez pas entrer tant que tout n'est pas en ordre. Laissez-moi un peu de temps. Il était bizarre. Bah, ça, tu l'as dit. Ok, donc au mode show, ouais. Quoi d'autre? Ah, bah, il y a Tails. Ah ouais, bah après si je fais Tails et que j'arrête l'épisode, il va rester que le boss. Ouais, du coup il restera que le boss, j'arrive directement dans la deuxième ville. Moi j'aimerais bien arrêter juste après le boss. Je sais pas quoi faire. Soit j'arrête maintenant et je fais Tails et le boss, ce qui durera pas très longtemps. Sinon je peux faire directement le boss et Tails en même temps. Deux vidéos pour une ville, wow. Allez, on va voir ça. On va lui parler. Salut Sonic, je ne pensais pas te rencontrer ici. Ils sont contents de se revoir les deux. Ah, Mario. Oh, tu es avec Mario, hein? Je suis venu participer aux Jeux Olympiques, mais je ne trouve personne à affronter. C'est au bref de faire une petite compète de saut à ski avec moi? Bah Tails, bah le score de Tails. Ouais, ok. Super, vous n'allez pas le regretter. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire aussi le boss dans cet épisode. Comme ça, on pourra directement s'attaquer à la prochaine ville dans le prochain épisode. Comme ça, je réglerai un peu les trucs pour la prochaine ville. Ben, on va prendre Sonic. J'aimerais bien faire une mission avec Luigi, mais voilà. On va quand même prendre Sonic pour affronter Tails. Allez. C'est à Tails d'abord. Donc c'est l'ordinateur qui doit faire son truc. Allez. Moi, je m'en fais pas du tout parce que je... ça va être vite fait. Allez, Sonic, c'est à toi. Ah là là, j'y vais super. Allez. Sonic, vas-y. Parfait. Alors. 115 points. Quand même. Ouais, du coup, on l'a bien défoncé. Donc là, c'est le deuxième saut. C'est parti. Ah, il a même pas réussi à battre mon score. Il a fait 82. Il fait 82 298 et moi j'ai fait au moins dans les 115 000. Pas mal. Allez, enfin parfait quoi. Allez Sonic, tu peux le faire. En tout cas, cette vidéo sera plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave.
Au moins, on va terminer cette ville pour l'épisode, dans cet épisode. Hein. Ok, ben bah on l'a bien battu là. 227 000 points. 3 vies en plus, du coup. 26 coeurs. Ok. Voilà. Pfff. Il va falloir que je change de technique. C'est comme ça, Tails. Alors, comme ça, vous essayez de sauver les esprits de neige. Hein. Ah, bah oui, en plus, oui, c'est Tails qui va nous aider pour la machine. J'avais complètement oublié ce détail d'ailleurs. Je pourrais vous accompagner. Je suis un bon mécano. Eh ben voilà justement. Mes compétences pourraient vous être utiles. D'ailleurs, il y avait un mécanisme cassé près de là où j'étais avant. Ce serait bien si Tails était avec nous pour nous aider. Ça, c'est clair. Cool, merci. Tu peux compter sur moi, Sonic. Et toi aussi, Mario. Tails a rejoint le groupe. Donc, on a deux personnes qui ont rejoint le groupe. C'est parfait. Bon, ben on va se retrouver juste devant la machine dans ce cas. Hein. Ok, c'est bon, on y est. Qu'en penses-tu, Tails? Ça te dit quelque chose, ce mécanisme? C'est cassé. Ça risque de prendre un peu de temps. Je pense pouvoir le réparer. Je dois juste en voir un similaire qui marche. Je ne me souviens pas en avoir vu un en ville. J'espère qu'on va en trouver un. Sûrement dans une autre ville. Bon, ben du coup, maintenant, on va se retrouver devant le mur de glace. C'est vrai que j'avais oublié de voir ça aussi. On va voir ce que c'est. C'est quoi ce truc? Ce n'est pas un totem. Ah ben justement, il y a Tails. Peut-être que là, il va servir. C'est une sorte de mécanisme. Trouve un moyen de l'actionner. De l'actionner. Voilà. Je le savais. On dirait qu'il fait office d'espèce d'interrupteur. Hé, il y a une trace de marteau ici. Le seul marteau qui me vient à l'esprit, c'est le marteau géant Pico Pico d'Amy. Ok, donc il va falloir Amy dans l'équipe pour ça. Ok, parfait. Et ben voilà, c'est bon, allez. Un mur de glace bloque le passage. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est plus gros que les autres. Ce mur de glace est encore plus gros que celui bloquant l'accès à la place. Il nous faut juste plus de cristaux. Donc plus on a de cristaux, mieux c'est. On peut seulement avoir 4 cristaux en même temps. Avec les 4 cristaux, les panneaux et l'écran supérieur n'indiqueront plus de points d'exclamation. 4 cristaux devraient suffire pour détruire un gros mur de glace, non? Je m'en occupe. Allez, vas-y Frosty, on compte sur toi. Parfait. Le mur de glace a disparu, tu peux avancer maintenant. Bon, ben nous allons affronter le boss, hein. Qu'est-ce que ça va être? Docteur Eggman. Déjà? Sérieusement? Non, on sait tous que c'est pas Eggman, ça. Il n'a pas une moustache aussi blanche, à moins qu'il a traîné beaucoup de temps dans la neige. Et qu'il a mis une nouvelle tenue, d'ailleurs. Mickey, voilà, je vois que tu as un invité de marque à tes côtés. Est-ce que c'est Docteur Eggman? Non, je ne crois pas. Docteur Eggman ne parle pas comme ça. Surtout qu'il ne s'habille pas comme ça. Et je perds mes bonnes manières. Je me présente, Docteur Eggman, les gars. Oh! En effet, ce n'est pas Docteur Eggman. Au secours, à l'aide! Ah, qu'est-ce que c'était? On aurait dit la voix d'un esprit de neige. Oula, il est prisonnier. C'est mon pote Sparky. Eggman Nega a dû le capturer. Ça suffit, les accusations. Il n'est fait que lui demander de m'accompagner. Pédophile, vote. Ça pédophile, le mec, quoi! Le double de Docteur Eggman est un pédophile! Ah, bon, bref. Je pensais pas Eggman Nega comme ça. Hein. Il fait partie de l'un de mes persos préférés de Sonic, mais bon, tant pis. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de s'affoler. J'espère que vous me feriez l'honneur de m'affronter au combiné nordique. Qu'en dites-vous? Voulez-vous relever mon défi? Vas-y, on relève. Donc, atteins l'arrivée en premier en ski de fond pour battre Eggman Nega. Ah oui, c'est vrai, la combinée nordique, c'est combiné deux épreuves. Donc, le saut à ski... Et le ski de fond ensuite. Ok. J'ai longuement attendu ce moment, Sonic. Ah oui, c'est vrai que du coup, il apparaît dans un autre jeu que je ferai en let's play. Enfin, du moins, ça dépend. Je verrai. Il faudrait déjà que je laisse ce jeu pour en faire un let's play. Les choses deviennent enfin intéressantes. Bonne chance, Sonic. Par contre, du coup, je vais pas prendre Mario Sonic. Je vais prendre... Qu'est-ce... Non. Bon, on va prendre Luigi. Allez.
Allez, nous allons affronter Eggman Nega. Deuxième boss du jeu, c'est parti. Avec une musique que j'adore, comme d'habitude. Bon, évidemment, il sera plus doué que Tails, par contre. D'ailleurs, vous auriez remarqué que finalement, au lieu de prendre Luigi, j'ai pris Tails, d'ailleurs. Enfin, je suis pas perdu, mais c'est juste que... Finalement, j'ai décidé de prendre Tails. Parce que je me suis dit que Luigi, finalement, non. J'ai pas envie de le prendre. Ce sera la prochaine fois, Luigi. C'est parti! Oh. Ah mince, je vais avoir. Parfait. 123 points, d'un côté ils sont plus doués. La caméra fait un truc bizarre parce que le téléphone il vibre. Ne me demandez pas pourquoi. Oh la caméra, calme-toi. Oh. Bon, on va passer mon essai vu que ce sera pas très intéressant là. C'est bon, allez, nous nous retrouvons du coup pour le ski de fond cette fois. Allez, ah oui, d'ailleurs la petite roulette du début. Ok, moi j'ai rien eu. Allez, s'il te plaît, sprint niveau, ok, donc il a un sprint. D'accord. Je vais devoir essayer de le battre comme ça. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi il commence... Après moi, c'est vrai que j'ai pas d'endurance là. Mince. Bon, en tout cas, ça va. J'ai mes sprints au calme. Calme-toi la caméra. Et j'ai déjà plus d'endurance en plus. Ah non, j'aurais dû vraiment prendre Luigi finalement. Ah voilà. Faut vraiment que je fasse attention pour la prochaine fois par rapport à la caméra. Parce que là la caméra fou, elle fait n'importe quoi. Ah bah là c'est clair, c'est vraiment n'importe quoi. Attends, on dirait qu'elle voit flou la caméra, je sais pas. En tout cas, désolé pour les bruits de vibration si vous les entendez hein. Je réglerai ça pour le prochain épisode. Ah non, mais Tails perd vraiment de l'endurance. C'est incroyable ça. En attendant. Bon, de toute façon, on aura gagné. C'est déjà ça. Ah non, il se rapproche en plus. Ah non, ça va, il est assez loin. On a gagné. On a vaincu Eggman Mega. Et en plus, on a l'étoile dorée. Ce qui nous fait 3 vies en plus. Mais sérieusement, la caméra, elle a un problème. Ah, on a débloqué l'épreuve descente supersonique. Et l'épreuve ski et tir. Donc je peux y jouer en match simple, tout simplement. Impossible. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu. Bravo, Sonic. Oh non, Eggman Nega essaie de s'échapper. Comment? Ah, carrément. Il a sorti un portail de nulle part. Donc il est magicien maintenant. Non, j'en refuse de perdre. Nous nous reverrons. Ok. Pédophile. Non mais ça je me rappellerai toujours. J'ai juste demandé de m'accompagner. Y'a rien quoi. C'est rien, j'ai juste demandé de m'accompagner. Ah pédophile va. À l'aide.
Attends, je t'en prie, laisse au moins mon ami s'en aller. Soit, considérez ce geste comme une récompense pour notre victoire. Pfiou, je suis enfin libre. Oh, merci, merci, je suis l'esprit de neige Sparky. Heureux de le savoir. Je suis si content de voir que tu vas bien. Frosty vient de Givreville. Et toi, Sparky, d'où viens-tu? Je suis l'esprit de neige de Brillebourg. Je dois vite y apporter la neige. Brillebourg, je ne sais pas où ça se trouve. Mais je suis heureux de savoir qu'il va de nouveau neiger ailleurs grâce à toi. Ouais, par contre, du coup, c'est vrai que là, la caméra, elle commence vraiment à m'énerver à force de vibrer. On en est à combien? À quasiment 31 minutes de vidéo, quoi. Ah, il y a des îles, il y a trois îles qui n'ont pas de neige. Enfin, celle tout, sauf celle tout en haut, j'ai l'impression. Wow. Ah, c'est bon. Donc, Brillebourg, c'est ça. Ok. Bah, ok. Tu peux désormais te rendre à Brillebourg. On dirait qu'il ne reste aucun esprit de neige dans cette ville. On va ailleurs? Ok. Allons à Brillebourg. Sparky sera notre guide. Bonne idée. Mais comment allons-nous nous y rendre? On y va en voleur d'habitude. Avec vous, ça ne va pas être possible. Bowser et Dr. Eggman ne peuvent pas voler. Donc, il y a bien un autre moyen. Enfin, si, ils peuvent voler grâce à Bowser avec son espèce de petit vaisseau là. Ça... Bon, je sais plus comment il l'appelle. Et Eggman grâce à son espèce de robot, je sais pas quoi là. Enfin, grâce à la machine quoi. Hein? C'était quoi ce trou là-bas, Sonic? Allons voir. Ok. Je sauvegarde. Tenez, du mode aventure sauvegardé. Tu peux jouer aux missions! D'accord, merci. Ah, on avait reçu l'emblème de Sparky pour l'avoir sauvé, je pense. Oui. Pourquoi on n'a pas celle de Frosty, du coup? On verra plus tard. Bon, d'abord, on va juste s'occuper de récupérer ces trucs-là, et on va arrêter l'épisode, je pense. Du nouveau. Même en été, Givreville reste froide. Ah. Caméra, sérieusement, ça m'énerve. Ah bah on a 30 coeurs pour terminer l'épisode. Bon, allez, on va quand même re-sauvegarder. Et c'est Y pour aller au menu. Bon. Voilà. Et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois, on ira à Brillebourg, comme il l'appelle. Il faut que j'arrête, sinon la caméra, elle va plus venir. Ciao tout le monde. Panda.